Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter deux fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Et pendant ce temps, Sylvie, on apprend que le trou de la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis 1988. Cette conclusion de la NASA est a priori une bonne nouvelle, mais voilà, c'est paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, en partie grâce au réchauffement climatique que l'on doit ce progrès, Simon Rosé. À son maximum cet été, il ne faisait plus que deux fois et demi la taille des états-unis. c'est énorme, mais le trou de la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis 1988. pour rappel, la couche d'ozone, c'est cette partie de l'atmosphère qui nous protège directement des rayons du soleil les plus violents, mais elle est attaquée en permanence des éléments chimiques, comme le chlore ou le brome, vont la fragiliser. l'homme en a relâché beaucoup dans l'atmosphère via ce qu'on appelle les cfc, qu'on trouvait dans les aérosols jusqu'à leur interdiction il y a 30 ans. alors, est-ce que cela veut dire que cette interdiction porte ses fruits et que lentement la couche d'ozone se régénère Clairement oui, mais ce n'est pas la seule raison. Il faut pour une fois remercier également le changement climatique. En effet, l'air au-dessus de l'Antarctique se réchauffe, ce qui a limité l'apparition de nuages de très haute altitude. C'est important car ce sont ces nuages qui, en temps normal, vont favoriser les réactions chimiques amenant à la destruction de l'ozone. Ce phénomène a donc été moins important cette année, mais il faudra encore du temps pour déterminer s'il s'agit d'une tendance sur le long terme. Et pendant ce temps, Sylvie, on apprend que le trou de la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis 1988. Cette conclusion de la NASA est a priori une bonne nouvelle, mais voilà, c'est paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, en partie grâce au réchauffement climatique que l'on doit ce progrès. Simon Rosé. À son maximum cet été, il ne faisait plus que deux fois et demi la taille des États-Unis. C'est énorme, mais le trou de la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis 1988. Pour rappel, la couche d'ozone, c'est cette partie de l'atmosphère qui nous protège directement des rayons du soleil les plus violents. Mais elle est attaquée en permanence. Des éléments chimiques comme le chlore ou le brome vont la fragiliser. L'homme en a relâché beaucoup dans l'atmosphère via ce qu'on appelle les CFC qu'on trouvait dans les aérosols jusqu'à leur interdiction il y a 30 ans. Alors, est-ce que cela veut dire que cette interdiction porte ses fruits et que lentement la couche d'ozone se régénère Clairement oui, mais ce n'est pas la seule raison. Il faut pour une fois remercier également le changement climatique. En effet, l'air au-dessus de l'Antarctique se réchauffe, ce qui a limité l'apparition de nuages de très haute altitude. C'est important car ce sont ces nuages qui, en temps normal, vont favoriser les réactions chimiques amenant à la destruction de l'ozone. Ce phénomène a donc été moins important cette année, mais il faudra encore du temps pour déterminer s'il s'agit d'une tendance sur le long terme. Et pendant ce temps, Sylvie, on apprend que le trou de la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis 1988. Cette conclusion de la NASA est a priori une bonne nouvelle, mais voilà, c'est paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, en partie grâce au réchauffement climatique que l'on doit ce progrès. Simon Rosé. À son maximum, cet été, il ne faisait plus que deux fois et demi la taille des États-Unis. C'est énorme, mais le trou de la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis 1988. Pour rappel, la couche d'ozone, c'est cette partie de l'atmosphère qui nous protège directement des rayons du soleil les plus violents. Mais elle est attaquée en permanence. Des éléments chimiques, comme le chlore ou le brome, vont la fragiliser. L'homme en a relâché beaucoup dans l'atmosphère via ce qu'on appelle les CFC qu'on trouvait dans les aérosols jusqu'à leur interdiction il y a 30 ans. Alors, est-ce que cela veut dire que cette interdiction porte ces fruits et que lentement la couche d'ozone se régénère. Clairement oui, mais ce n'est pas la seule raison. Il faut pour une fois remercier également le changement climatique. En effet, l'air au-dessus de l'Antarctique se réchauffe, ce qui a limité l'apparition de nuages de très haute altitude. C'est important car ce sont ces nuages qui en temps normal vont favoriser les réactions chimiques amenant à la destruction de l'ozone. Ce phénomène a donc été moins important cette année, mais il faudra encore du temps pour déterminer s'il s'agit d'une tendance sur le long terme.